Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Il est au terme de sa mission aux États-Unis, le Premier ministre ivoirien reçu par les premiers responsables des institutions du Bretton Woods. Patrick Hachi a eu des séances de travail avec le président de la Banque mondiale et le directeur général du Fonds monétaire international. Au menu des échanges, la résilience économique de la Côte d'Ivoire et le renforcement du partenariat avec ses institutions monétaires. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Adama Koné et Kiri Adama. Point culminant de la mission de la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la rencontre entre le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le premier ministre, Patrick Hachi. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a instruit, moi-même ainsi que les ministres qui sont avec moi, Madame le ministre du Plan, M. le ministre des Finances, M. le ministre du Budget, son conseiller spécial, de nous rendre donc aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds afin d'échanger avec eux sur le contexte mondial que traverse la plupart des pays, caractérisé par des chocs externes extrêmement importants, mais également dans notre cas particulier de la situation du terrorisme qui sévit dans la sous-région, pour voir dans quelle mesure les actions qu'entreprennent la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour faire face à ces différents défis qui doivent permettre de maintenir le pouvoir d'achat des populations, qui doivent permettre de lutter contre la pauvreté, mais qui doivent également permettre de maintenir la croissance que la Côte d'Ivoire a réussi de façon exceptionnelle à avoir depuis 2011 jusqu'avant la période de Covid et qui va se poursuivre à partir de cette année et l'année prochaine. Un autre pic du séjour du Premier ministre, l'ouverture des portes de la Direction générale du Fonds monétaire international ce dimanche. Le pays reste actif à Washington pour donner un coup d'accélérateur à ces grands chantiers de développement. Le pays a une place de stabilité parce que les politiques sont résilients et les décisions sont très effectives. Nous sommes préparés d'organiser un programme de support pour le pays et pour les réformes qui sont nécessaires. Côte d'Ivoire est un pays jeune et un environnement d'investissement qui est favorable. Nous continuerons de travailler ensemble pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles, c'est terminé pour cette année. Le Premier ministre peut alors dresser le bilan de la mission. Je crois que les échanges ont été extrêmement fructueux, extrêmement francs, et nous avons bénéficié bien sûr de leur relation extrêmement proche avec le président de la République. Cela nous a énormément facilité la tâche. On peut dire pour nous, pour l'heure, que la moisson a été bonne. Maintenant, le contexte mondial est difficile. La lisibilité sur l'avenir proche et à moyen terme est encore incertaine. Mais nous sommes venus ici avec les partenaires au développement que nous avons ici. Nous sommes venus construire ensemble les mécanismes qui devraient être mis en place pour nous permettre d'être plus résilients, de soutenir véritablement nos populations et de continuer cette croissance qui est si importante pour maintenir la création d'emplois dont nos jeunes ont besoin. Le directeur général du Fonds monétaire, elle a donc bien voulu accepter l'invitation de son Excellence, M. le Président de la République, pour se rendre dès le début de l'année prochaine à Abidjan. Et je crois qu'à cette occasion, les discussions se poursuivront avec le chef de l'État lui-même. Au dit du vice-président Ousmane Diagana, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Seul pays à avoir obtenu des rendez-vous avec deux vice-présidents et le président du groupe de la Banque mondiale. Pour le premier ministre Patrick Hachi, c'est tout simplement mission accomplie. Revenons en Côte d'Ivoire, dans la ville de Korogo, plus précisément, où la pérennité de la culture du coton est au cœur des actions politiques. Kobeden Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture, a effectué une visite de terrain dans les plantations de coton. Il a aussi échangé ce lundi avec les acteurs de cette filière de la région du Poro. Ami Sissoko.
Informé du désastre causé par les jacinthes cotonnières dans le nord, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Adjumanu Kwasi Kobenin, a effectué une mission urgente ce lundi 17 octobre 2022 dans le département de Korogo, l'une des grandes zones productrices du coton, pour constater de visu les dégâts liés à l'attaque de ces insectes ravageurs. Il a également échangé avec les acteurs de la filière coton de la région du Poro. Ces insectes provoquent l'assèchement des cotonniers. Ils s'attaquent également aux cultures vivrières. Nous avons même estimé à 30%, mais on se rend compte que la perte va être au-delà des 30%. Il y a eu donc cette catastrophe que les plantations ont été abandonnées. Si c'était seulement sur le coton, peut-être on aurait dit que nous, on peut s'entretenir un peu. Mais ça a pris tous les vivriers. Depuis le mois de juin dernier, le bassin cotonnier comprenant les régions de Bagoué, Poro, Tchologo, Béré, Gbeke, Kabadougou et Bafin subit des attaques de jacides. Cette situation fait peser de graves menaces sur la production cotonnière de cette année et sur les revenus des acteurs de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on doit constater que cette estimation est en deçà de la réalité de terrain. Au jour d'aujourd'hui, nous avons demandé à chaque société cotonnière de nous faire le point donc des dégâts dans sa sphère de compétence. Les sociétés cotonnières sont donc au travail. Dans l'immédiat, les producteurs demandent aux autorités une aide pour rembourser les crédits de la campagne 2022-2023 et surtout pour subvenir à leurs besoins. C'est vraiment une catastrophe pour nous. On interpelle le gouvernement, bien vrai, toutes ces années, il nous a aidés. C'est une honte. Mais la main qui est coupée ne peut pas se cacher. Donc on est obligé d'aller vers lui en sachant que c'est lui qui peut nous sauver. Face à la détresse des 105 000 producteurs de coton que compte le pays, le ministre d'État Adjumanu Kwasi Kobenin a promis rendre compte fidèlement au chef de l'État Alassane Ouattara en vue des solutions idoines. Quand l'or blanc est attaqué, ce sont les populations qui s'en trouveront lésées. Donc le président, le premier ministre, nous ont demandé de venir soutenir donc ces populations en détresse. Leur apporter d'abord le réconfort moral, évaluer les dégâts qui ont été perpétrés dans leur plantation et après prendre des décisions idoines de nature à soutenir donc les populations. Mais ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Il y a les pays qui nous environnent, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo. Tous ces pays-là ont été attaqués. La Côte d'Ivoire est le troisième pays africain producteur de coton après le Mali et le Bénin, avec plus de 539 000 tonnes. Cette année, l'État a subventionné à hauteur de 29 milliards de francs CFA les intrants, notamment l'engrais, en vue de l'amélioration de la production à 580 000 tonnes. Mais les jacinthes sur la filière coton viennent anéantir l'objectif. C'est la fin de cette première édition. Je vous retrouve dans quelques instants.